Et salut à tous, et pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Eh bien pour parler des nouvelles unités de War of the Vision. Et oui, effectivement, elles sont arrivées, avec en plus de ça, une nouvelle invocation. Donc bon, pas encore de belles bannières hein, pour ce début de vidéo, hein, mais on a réussi à trouver un petit wiki anglais qui recense alors des informations. Principalement, il y a la version japonaise, mais du coup, qu'on peut calquer, parce que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de différence. Donc, la première unité qui apparaît désormais, c'est Nasha, unité glace, main job paladin, job secondaire mage blanc, et en dernier, dragoon, donc jumper. Hein. Donc, plutôt sympa. Donc, voilà, sa TMR, c'est une épée qui va nous apporter 68 points de vie, 104 points d'attaque et 12 de précision. Et avec un effet supplémentaire qui pourrait apporter de l'immobilisation. Donc plutôt sympa. Son habilité maître va lui donner plus 25% de points de vie. C'est pas mal, hein. Et une fois qu'elle sera à niveau maximum, elle aura au total 2200 points de vie. Bon, alors effectivement, même si elle a paladin en premier, hein. Voilà, son premier job, ah, c'est peut-être quand même un petit peu faible comparé à un monte. Bon, ça peut être quand même un petit peu plus sympa. On attaque 164, c'est aussi ce qu'elle va avoir le plus sur son board, hein, le plus de points de vie, plus d'attaque. C'est là-dessus que clairement elle se différencie. Et en termes d'habilité... on va voir du coup le Blade Blatch, une attaque médium qui a des chances d'infliger stun pendant un tour, du petit heal, du dégât médium autour d'elle, donc ça fait vraiment une petite croix tout autour d'elle. Elle peut survivre à un coup fatal, plutôt cool, hein, il faut être 6 étoiles par contre pour le débloquer, et de la mitigation physique pour elle-même. Donc ça c'est ce qu'elle aura tout le temps. C'est son job principal, paladin. Ensuite, pour les sous-compétences, elle a de quoi gagner en maximum points de vie défense, plutôt cool. En plus de ça, sentinelle qui lui permet d'améliorer, de booster en tout cas sa défense et son esprit, tout en réduisant son évasion par contre. Mais bon, ça reste quand même assez sympa. Elle a un compte de paladin qui permet de réduire les dégâts subis. Donc, certes, elle va subir des dégâts, mais ils seront réduits. Donc, elle va pas contrer elle-même en faisant des dégâts. Par contre, elle va réduire les dégâts subis, ce qui est plutôt pas mal hein, pour du tanky. Ensuite, elle a un sort de taunt. Et oui, effectivement, un taunt en plus de zone. Hein, ça fait une petite croix de 4, hein, toute bête, hein, la petite croix toute basique. Hein, l'endroit qui est ciblé plus... deux cases, enfin une case à gauche, une case à droite, une case en haut, une case en bas. Bon. Et tout ça avec une petite distance, une petite portée de mémoire de 2. Mais voilà, premier petit sort de taunt. Et ensuite, Divine Grâce, donc qui lui permet d'augmenter, un petit peu comme si on avait une barrière de points de vie, pour elle-même et les alliés autour d'elle. Et en plus ça, bah, du coup, elle les soigne automatiquement de leur point de vie, donc c'est réellement comme un bouclier de points de vie. À mon coup. Donc voilà, donc clairement, ok, en termes de tanking, c'est plutôt pas mal, hein, un petit 15% de PV ici en plus en passif, ah, ça devrait être assez sympa en termes de tanking, pour une méga rare, c'est plutôt cool. En plus de ça, on a job mage blanc à côté de ça, donc qui permettent entre autres soigner les altérations d'état, annuler Doom, donc qui est une altération d'état qui fait que votre unité meurt au bout de 3 tours, de régénérer des points de vie, de mettre un bouclier magique, puis qui régène, une chance de ressusciter, régène, protège pour la protection physique, cura et curada, donc plutôt sympa, hein, on pourrait imaginer pourquoi pas, hein, du tanking avec le petit paladin de base, une petite provocation passive, et derrière du soin aussi, bon, alors son soin sera forcément moins haut parce que bah... En termes de magie, 21.6, 59.6, donc elle n'a pas monté très en magie, donc il risque d'être quand même un petit peu faiblard, mais bon, pourquoi pas. Et dans le cas où on veut la jouer à tag, bah, du coup il y a Dragoon, hein, c'est du dégât en jump, on a du délai, quoi, améliorer son attaque, avoir du jump plus, donc ça permet juste de vous déplacer sur le terrain plus rapidement. Si on tous les purs dégâts, c'est que du jump, bon, pourquoi pas.
Et en termes de résistance, bon, du classique, un petit peu plus faible face aux attaques magiques. Mais bon, pourquoi pas. Donc, ouais, plutôt sympa, hein. Clairement, on va se le dire, sur la version japonaise, dans le cas où on n'a pas Engelbert en tank, eh bien, du coup, on aime beaucoup Nasha. Clairement, un petit peu comme Monte, hein. Les deux, d'un point de vue tanking, se valent. L'avantage qu'a Nasha, c'est qu'elle a le sort de taunt que n'a pas Monte, donc ça peut quand même être méga cool, hein. Ça fait un très bon tank, et plutôt très sympa. En plus de ça, un bon niveau d'attaque, donc pareil, comme Monte, va pouvoir faire quelques petits dégâts, donc Nasha, très bonne tank secondaire, on va dire, dans le cas où on n'a pas Engelbert. En termes d'unité ultra rare, eh bien c'est Yelma, en français qui est un noir, Yerma en anglais. Nouveau job, hein, viking, globalement, gros dégâts à la hache, hein, on y va avec la hache, on fait comme ça. Job secondaire, chevalier, on termine par un job de voleur, donc plutôt pas mal, hein. On a du coup bah, limit burst parce que personnage ultra rare, donc dégâts larges à une unité seulement, avec, mais une portée qui est quand même assez sympa. Mais en plus de ça, on va réduire la résistance aux attaques physiques pour Yerma elle-même. Après avoir utilisé cette LB, donc attention à ça. Non, ça réduit les résistances de l'ennemi qu'on a attaqué. Par contre, à elle-même, augmente ses résistances. Petite erreur de trad ici. Donc voilà. En termes de TMR pour Yelma, c'est. Alors, pas un accessoire, mais de la protection. 440 points de vie, 8 de défense, 4 d'esprit, bon, petite habilité qui permet d'améliorer sa propre attaque et sa précision. Bon, voilà, bon, les TMR d'Ultra, on en est encore très très loin, sauf si vous mettez 20 000 euros dans le jeu. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc là, Limit Burst, on l'a déjà vu, son habilité maître va lui apporter plus 15% de dégâts critiques et 10 points de précision. En termes de points de vie, on est quand même à 2000 points de vie, hein, en max, plus les 150 de bonus, 279 points d'attaque, plus 42 via le plateau, plus 20% d'attaque, plutôt très bien. Elle a un déplacement de 3 cases et un jump d'un. C'est du classique pour les attaquants physiques qui font des gros dégâts. En général, ils sont pas forcément très très mobiles. Alors, en termes d'habilité qu'elle aura tout le temps, du petit dégât small, mais qui fait de la percée. Donc, si jamais il y a deux unités, l'une derrière l'autre, qu'on attaque de face, et bien du coup, on va percer, du coup, on va toucher les deux unités, et on a du coup, en plus ça, une chance d'immobilisation de 3 tours. Elle va pouvoir buffer son attaque et sa défense, faire des dégâts XL, et oui, effectivement, un premier dégât XL sur le jeu, c'est Yelma qui les a, hein, pour une unité. Très très gros dégâts à prévoir. Ensuite, on a le Drain Cyclone, c'est du dégât en zone autour d'elle, qui en plus de ça, du coup, elle va absorber les dégâts qu'elle a fait en points de vie. Bon, clairement, s'il y a plusieurs ennemis, elle va récupérer tous ses points de vie sans aucun problème. Et le dernier, toujours du dégât large pour les ennemis qui sont dans un range. Et en plus de ça, on récupère du Man-Eater, donc du killer humain au passage. Plutôt pas mal pour l'histoire, de toute façon on affronte quasiment que des humains, donc c'est plutôt cool. En termes de job secondaire, donc toujours sur le viking, on a du passif pour améliorer ses points de vie, son attaque, mais par contre on va réduire les points d'AP qu'on va gagner durant le combat, donc bon, potentiellement on va faire moins d'habilité, mais elle aura plus de points de vie d'attaque. Attention à ça, ça peut être assez problématique. Le compte du viking, ça lui permet de récupérer des points de vie quand elle va subir des dégâts, et aussi chance d'infliger berserk pendant 3 tours. Bon, attention à ça, hein. Si elle-même elle s'inflige berserk, bah, certes, elle va faire de gros dégâts, parce que berserk, plus 100% de dégâts, mais bon, pas d'habilité utilisée, donc quand même un petit peu dommage. Elle a aussi un petit sort de buff pour améliorer sa bravoure. Bon, si on l'améliore déjà avec les cristaux et autres qu'on loot, on est à 97 qu'est le max en passif. Donc bon,
augmenter plus sert pas forcément à grand chose. On a aussi un passif pour améliorer sa résistance aux dégâts de projectiles. Et du dégât XL, toujours à une unité. Alors, sur le job chevalier, on a en passif l'amélioration de notre résistance au debuff. Et encore une fois, de l'augmentation de points de vie. Plutôt sympa, peut monter vraiment très haut en points de vie. Elle a de quoi faire du break, attaque magique tout en faisant des dégâts à haute unité. Elle peut améliorer ses propres points de vie et pour les... se soigner, donc c'est entre guillemets un bouclier de points de vie. Encore une fois, le con, c'est de la réduction de dégâts, et cette fois-ci, au lieu du soin, on a de la réduction de dégâts, pourquoi pas. Toujours du break, cette fois-ci, on est sur de l'attaque, magie et agilité, donc l'unité, du coup, rejouera moins vite, principe de l'agilité, donc pourquoi pas, tout en faisant des dégâts moyens. Et les deux derniers sorts, du dégât moyen et small, mais on a une chance d'infliger disable, donc c'est un petit peu un break attack globalement, c'est pour ça que ça s'appelle arm break, et speed break pour réduire l'agilité des unités, pourquoi pas. Dernier job voleur, donc on a moyen de voler des items, de réduire la précision d'une unité, de faire des dégâts moyens, d'infliger confusion, des dégâts lourds, avec un garanti de coup critique si jamais on attaque par derrière. Alors ça fait extrêmement mal. Les coups critiques sur ce jeu, c'est extrêmement violent. Donc ça peut vraiment être très cool. Elle peut aussi améliorer sa propre évasion. Et en dernier, elle peut aussi réduire les CT. Donc les, entre guillemets, ralentir le tour d'une unité. Pour qu'entre guillemets, elle rejoue plus loin. Tout en augmentant sa propre agilité. Cette fois-ci, on a un compte qui lui permet de gagner de l'agilité pendant un tour quand tu as subi des dégâts. Et en termes de passif, on a de quoi améliorer les AP gagnés durant le combat et qu'elle ait un déplacement de case de plus 1 tout en augmentant son agilité. Donc voilà pour Yelma. Moi, comment je verrais pour la jouer, sachant que je l'ai jamais eu sur la Jap, je saurais pas trop dire. Full Viking me paraît un petit peu optimiste pour pas gagner grand chose. De toute façon, en général, rester sur mon job principal direct a assez peu d'intérêt. Là, on a du dégât XL, mais on les a aussi ici. Donc moi, personnellement, une fois que vous l'avez 6 étoiles, job 12, parce que pareil, hein, quand on imagine comment est-ce qu'on joue une unité, réellement niveau max, hein, c'est là que prend tout son intérêt. Soit chevalier, histoire d'apporter du break, mais pareil, c'est pas réellement son rôle en fait. Donc je la verrais plutôt voleuse. Voleuse pourquoi ? Parce qu'entre autres, on a ce petit sneak attack, du dégât critique assuré, certes que large, mais du coup large qui critique assurément, ça peut être pas mal. Moi je la verrais comme ça. Et en termes de passif, quand même, le raise attack, plus points de vie, et peut-être un move plus 1 qui améliore l'agi en plus. Comme ça, elle jouera plus souvent, comme ça, elle pourra aller générer de la paix, en tout cas plus vite que les ennemis en face. Ça peut être assez sympa. Donc voilà pour Yelma, unité ultra rare de cette bannière. Et on a aussi une petite invocation à Ramu qui arrive sur le jeu. Et oui, donc forcément, quand on l'invoque, on fait du dégât massif, foudre, sur une zone, hein, une petite croix, hein, comme d'hab. En plus de ça, on va améliorer l'attaque et la magie de tous les alliés pendant 3 tours et réduire la résistance à la foudre de tous les ennemis pendant 3 tours. Donc voilà, classique. Bon, et en termes d'habilité, de la résistance potentiellement aux attaques de points, du killer aquatique, du dégât magique, du killer eau, ouais, plus de dégâts d'eau, je pense, et de la magie en plus. Et en termes de statistiques, on n'a pas, mais je vous le dis, c'est la magie, hein, clairement, qui est augmentée. Plus que tout, donc clairement très très bonne carte pour les magiciens. Pas photo, Mediena par exemple, comme invocation Mediena, aime bien aussi
Notre petit Ramu, même si Shiva marche aussi très bien. Globalement, Shiva Ramu, c'est un petit peu les mêmes. L'un est foudre, l'autre est eau. Pas tout à fait les mêmes résistances sur le palier, mais c'est très similaire. Et du coup, on a aussi sa carte à Ramu, forcément. Sa carte va nous permettre d'améliorer notre résistance à la foudre pour l'unité qui a la carte. Et aussi d'améliorer la magie pour l'équipe. Donc réellement, au niveau maximum, on peut aller jusqu'à un bonus de plus 50% de magie. Donc là, il faut qu'elle soit 4 étoiles, niveau 99 la carte. On n'en est pas là. Mais voilà. Et les stats, c'est forcément aussi la magie qui est privilégiée. Donc voilà pour la petite carte de Ramu. Plutôt assez sympa. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous et ciao bye bye.